pour la confiance renouvelée à Congo Buzz Télévision, chers internautes. Bonjour, Toza Lelo na commune ya Gombe, précisément na gare centrale. Place de échanger na population ya Esika Oyo concernant régularisation ya ba agent ya fonction publique. Sans plus tarder, Bolanda, ba vie ya moko na moko quant à ces sujets. Bonjour. Nous sommes descendus aujourd'hui sur terrain pour avoir l'avis des agents concernant la régularisation des agents de la fonction publique. Étant agent de l'État, comment recevez-vous cette nouvelle? Je suis un peu sidéré de vous entendre me poser cette question. D'abord, d'entrée de jeu, je veux dire que cette question tombe au point nommé très bien parce que d'abord, nous avons un problème maintenant qui vient d'être soulevé. Par rapport à l'ancien chef de l'État qui a dirigé ce pays, il est en train de poser le problème d'être sénateur à vie et puis en même temps, il doit avoir les per diem et tout ce qu'il faut pour un chef de l'État ancien. Et je crois que c'est cela le problème au Congo. Donc les gens devraient savoir que si vous avez un poste à pourvoir, vous devez vous y atteler, rester là-bas et ne pas cumuler. Donc nous avons un mauvais système à Kinshasa, au Congo, de voir les gens en train de cumuler leurs fonctions, ce qui n'est pas du tout gentil. C'est ce que nous sommes en train de ne pas comprendre. Comment est-ce que les gens devraient s'arroger les pouvoirs de pouvoir cumuler? Ils peuvent être d'un côté à l'autre en train de toucher les salaires par-ci par-là, ce n'est pas du tout normal. Madame la ministre Yolande, qui est à la tête du ministère du fonction publique, a martelé sur les points de doublon parfait puis imparfait où nous voyons une personne, un seul agent, qui travaille en même temps au ministère de l'hydrocarbure, en même temps au ministère de l'enseignement. Est-ce un phénomène nouveau ou un phénomène qui a commencé il y a longtemps? C'est un phénomène qui a commencé depuis très longtemps. Je sais que dans la fonction publique, il y a beaucoup à dire et à redire. C'est là d'ailleurs qu'il y a beaucoup de acclamaires. Les gens sont en train de jouer avec l'argent de la République. C'est ainsi que les nouveaux pouvoirs devraient faire attention pour ramener les choses, de tirer au clair les choses. Parce que ce n'est pas possible que dans un pays, que quelqu'un puisse toucher 3-4 salaires à la fois. Il est tantôt à un tel ministère, il est tantôt dans un service de l'État quelque part, donc ce n'est pas possible. Ça, c'est un problème qui date de très longtemps, madame. Qu'est-ce qui est à la base de ces phénomènes? Le clientélisme, je crois que c'est ce qui est à la base, parce que les gens sont en train de miser sur leurs relations, sur leurs connaissances en famille, et ainsi de suite, les amitiés. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens s'amusent à pouvoir embaucher leurs frères, leurs amis, et sans tenir compte même de qualité, de cursus. Hein? Donc c'est comme ça que ce phénomène a perduré depuis l'ancien régime, commencé par le régime de Mobutu, Kabila fils, je dirais, et puis c'est ça. Si vous deviez vous adresser au gouvernement, quel serait votre mot? Si je dois m'adresser au gouvernement, ce que je peux dire au gouvernement, c'est de pouvoir faire en sorte que, comme vous m'avez posé la question de savoir que, de dire que la madame ministre de la fonction publique est en train de s'y atteler, qu'elle fasse attention parce qu'il y a beaucoup de doublons dans l'administration publique. Et c'est de là que nous sommes en train de dire que voilà, si tel ne sera pas le cas, ça sera vraiment très difficile pour le pouvoir en place de pouvoir faire face aux problèmes sociaux qui rongent le pays. C'est ça. Madame la ministre a donné un délai jusqu'au 30 pour l'enregistrement des agents. Ceux qui ne vont pas s'enregistrer, même si vous êtes mécanisé, on va enlever le nom. Vous êtes pour cela? Je suis pour, d'accord. D'ailleurs, c'est ça le souhait. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mbote. Papa Lelo Tokiti Kosololana population na likambo etali régularisation ya ba agent public étant agent ya l'état tant oyo ki sangwa lolenge wana esali ndenge ni bon ya liboso il faut yeba bien que na niveau ya rémunération ya ba agent ceux que baza satisfait nango ba oyo biloko oyo wana ezo koleka ezala nango ezala nango facile que ba me régulariser yango na niveau ya ba ministère tutelle mais ceux qui salaire est faible. Alors, mon tajou luka moyen ko tala pe famille ndenge pardon famille est quand même stable
Les stabilités dans la famille. Argent, il faut aller. Parce que à foutre la banne à Minerva, il faut battre Balia, il faut battre Salam, 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 il faut battre. C'est pourquoi il y a des gens qui ont été ministères, qui ont été ministères, qui ont été ministères, qui ont été régularisés, qui ont été salaires, qui ont été salaires. Et deux, ils ont même conduit à la Tinabiso. Lélo Azali, par exemple, ministre Awa, Azali, professeur, Azali, Songole, qui ont été ministères, qui ont été conseillers. Mais la classe est assez, ils ont été pénalisés, ils ont été pénalisés. Ils ont été pénalisés. Si on a un peu de fonction, on a un salaire à la maison, on a un salaire à la maison. Mais ceux qui ont un salaire à la maison, ils ont deux ou trois places. Pourquoi ils ont un salaire à la maison? Pourquoi ils ont un salaire à la maison? Ils ont un phénomène à doublon parfait et imparfait. Ils ont un ministère hydrocarbure, ils ont un enseignement. Ils ont un phénomène qui est bandit, ils ont un bandit. Ils ont un salaire à la maison, ils ont un. Parce que, on a un exemple, on a un conseiller, mais un professeur. Pourquoi ne pas régulariser compte que nous un poste qui peut foutre à la maison? Mais le gouvernement est facile parce qu'il faut un moyen de faire un arrêté à niveau de la. Nga na lobi bien ke ceux qui ba pesi mutu na mutu tash moko pe na salaire a malamu bilo wana ko zalate donc gouvernement tala ba paramètre ni na ko ko tala ba tuana ke aba na ko supprimer ba tu baza 2-3 postes et tomoni mama ministre a pesi délai ati le 30 octobre ba to ba rozala ba ro mitcha en ordre te ozaloza mécaniser so s'enregistrer te ba longoli kombo sangwana go zo onye. Toujours tous à la cana, yoko ba rejoindre mesure moko boye, mais application nango ezalaka te. So ba ko appliquer ngo bis to ko betela ngo maboko, mais so application ezate. Ba ko lobela ngo me o mona ke bazo favoriser secteur mususu. Do place nango oyo bazo jo ba décision anizawa. Fallait ke ba bongisa. So décision ez affirme to ko betela ngo maboko, mais so décision ez affirme te. Et lo moko impact moko na kate bilo anizate. Mbote maman. Appelez l'autre qui dit que sur la population, nali kambetali régularisation ya bajon ya fonction publique. Tomoni lobi ministre maman Yolanda Betty Sete na ba point ebele. Boyambi sangwana ndengeni. Bon, boyambi sangwana bien. L'essentiel les gars, baba ndo contrôler ba boulot, misale tambola bien, mutu nyoso asala musala ndenge sengeli. Elo biso to lingi yangwana. Ango to monya beti sete na likamba ba ya ba doublon parfait pe imparfait mutu moko mais azo sala na deux ministères kombo moko abaloli ni neza la base ya ba phénomène lolenge. Bon ezaka makamba corruption na mboka na biso corruption pone si la eza problème po ba chômeur baza ebele mais yo mutu moko za na misala mibale siko ba msusu wana ba o travailler te yo kaka na famille na yo o travailler deux postes trois postes za malamu te. Nous sommes en corruption. Il faut lutter contre la corruption. Le problème est de la Rwanda. Mais vous avez dit que vous avez dit que bandeko avez dit que vous avez dit que bon, Batika, pour le peuple congolais, azo souffrir makasi. Tout ça, pour Samboka, na biso bonga. Batika, vous avez dit que 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 vous avez ministre que vous avez dit que vous avez enregistré te aux à la mécanisation ou pas au longwe lilobani okozani tant délai wana na za d'accord na délai wana za bien mama papa le loto kitiko solola na population na likambetali régularisation ya ba agent public étant agent à l'état tant oyoki sango wana et salio ndengeni na sepeli mingi na likanisi ya madame la ministre en tout cas na kumisi mingi parce que moto moko ko koza Congo to ta munene pe to ta batwe belé mais zate kaka yo moko ozala wa kaka yo ozali kaka yo kimilar en tout cas to linya ngote soko za na ministère moko tikala kana ministère na zaka na matriki no moko po matriki no mosusu wana olinga ko zwa ngo parsi pala matriki wana ezala pona bato mosusu ba ozanga misala bato ebele ba ozanga misala ministère en tout cas félicitations na dikambo lobi wana to sepe na ngo mingi.
phénomène il y a doublon public, il y a doublon parfait et imparfait, mutuement causé dans le ministère songolo pakala. Et bandika mikolo tu es élu au moins bandaka. Les gens élus comme moi bandaka là, mais bah et baginde ko lande lango très bien te, mais comme bah bah et si quoi, bah fongoli missionnali gambo anapo. Et banaki kala mais bah to balika liboso bandaka nyamu. Mais bon, bah si quoi, bah niko tiens on miso. En tout cas, na sepeli na madame la ministre na lilo na ndenge a du courage wana yako boya biloko kimilar par-ci par-là. Nini za la base ya maramololenge? Mais ezali manguyete, ezaka manguye po bayi bakambongo ba secrétaire général de bazana base ya biloko wana. Ba secrétaire général ya ba ministère de bazana base ya biloko wana. Na yango soki ko loba liloba moko na gouvernement na bato bazo sa maramololenge wana liloba ni kozala ni. Liloba nanga ezali boye na gouvernement na ebisi gouvernement boyeke. Ba bato wana bazo sala ba biloko wana ba favoriser ezalo kola biloko moko ya munyamu ya mumoyibi po bazo akambongo epai bo bazo akambongo er mosusu kakambongo wana e bimikuna secrétaire général ba pesi ye oyo koto ye azui alors bato wana il faut bakangama bazala na prison bazala bato ya ba candidat à la prison ya makara. Merci papa. OK, merci beaucoup mama. Mbote madame. Papa lelo to kitina likambo etali régularisation ya ba agent en fonction publique. Etant agent l'état ton oki sanwa lolenge wana et salion dengeni. Vraiment merci pour na émission na bino parce que bino bo bimaka soki actualité ezali. Nga nazali chef de rue Natala ka boulevard du 30 juin na Tombalubai. Nazali NI ndenge bino mo bozo mona mikanda na ngezo la kisa awa. Makambo mama Yolanda lobi toko zwango na deux volets. Alors voler à liboso ezali ke banani oyo ba dédoubler batou netango banai ko dédoubler batou wana ba bandai kota la nini ezali famille politique na ye abandai ko lobango très bien lobby ki yaza na famille politique moko nde ayaki po asala metango ya ye quand même de part et d'autre azali na raison ya ko babiloko wana en tant que congolaise indignée na mode ya fonctionnement ya nini na biso metan tu zote la famille politique o ya ye FCC mama Yolande to banga nzambe sepe komi mibale ba pore komi ebele ba parti politique dédoublé biloko wana ezali moyen oyo bango famille politique na ye pendant ces 18 ans na tango mbutu biloko wana ezali te na tango mbutu ezali biloko kanai osala me bafuta kayote melelo oyo avec affaire mapon matata ponyo tomoni batu baye na bancanisation baye ko doubler lisusu batu ozo mona alors bisonde tozo souffrir tango okay na enseignement okuti moto wana za matricule moto wana komi ministre komi boya komi tozo comprendre lisusu te mama Yolande a dévoilé quelques secrets wezala ki caché tozo ko s'apprendre na été mais tozali ko s'apprendre na administration ya mboka na biso parce que mama Yolande ko ki kolongwa basi mutu mususu mutu anatangwa koya akutaka probleme wana eloko na sepela ki oyo mama Yolanda lobaki alobike sengene balongola ba fictif wana komisa ba mona moyen ya kufuta ba vrai batu oyo mena difficulté zalike batu wana o bazali ba NI wana ba okende wapi bokolongola ba NI wana nyonso po bozo batu ya sika bakoma ba NI après bo mécaniser bango non. Donc, on peut se mettre en tabac, on peut se mettre en tabac. Et Sengeli, Mama Yolande, a commandé premièrement, na ko mécanisé nano ba NI. Ce qui a mécanisé Bango, le reste là, ils allaient petit à petit, parce que enquête, on est juste à fictif, on a aussi la moukolo mokote. Ce n'est pas na année moko aussi là. Alors, biso tente, on va souffrir. Ndenge na yokaki azoba makambo ba salaire na ye, ba salaire ya batu mususu. Mais écart wana c'est dire quoi? Écart wana ya mutu azo sala pa l'état ba futa ke 100,000 francs ba tumuzuzu bazo futa bango ba 5 millions de francs. Écart wana c'est dire quoi? Parce que fonction publique ezali relative na mutu nyonso to. O nyonso ebi za mutu ya l'état bien que ezana ba tumususu bazali na ba statut moko spécial. Alors mama la ministre esengo na biso ezali ya komona okota na vision ya peuple congolais parce que lelo lobi kuna histoire et ko retenir nini que mama Yolanda lobaki ba fictif bazali mais azuli su ba fictif mususu atie non ba NI bazala mécanisé ndenge mona tomoni makambo enseignement
balingi bazo ba professeur musuba ya kotangisa même temps ba o bazaka ba N I bozo kipe bangote. Donc c'est amalgame. Ozui loso madesu dongo dongo ozui potopoto sanksino ba bongote. Bo mécanisé nan ba o bazali. Nde tolande alobi makambo ba ba médecin. Alobi e comme nature ba infirmier oui. C'est progressif mais ba N I ba considéré bango po bazali jeune expérience. Et là, vous m'avez dit que, ok, le camusel a eu une expérience il y a 5 à 6 ans. Bon, bah, vous avez déjà 20 à 30 ans, bangage à bangote pour l'année. Néanmoins, ce que vous avez dit, c'est que, à la base, il y a un phénomène où il y a un dédoublement et tout. Et ça, c'est un phénomène qui est un bandit. Bon, phénomène où il y a un bandit qui est un parce que ça ressent avec l'entrée AFDEL. Il faut tout le monde qui est un sembo. Dans mon bout, babanda ko sala batu banko bangajaka batu e bakataka bango bambongo melelo oyo bazo engager batu te bazo zonde bana batata mwasi bana ba mama leki batu ya ba parti politiki bazo zo bango kakofoni ona se dia kwa kozwa chose publique na valeur te comme bloc moko privé fonction publique e koma ki ba recommandation e koma ki ba recommandanga ngana za mutu boye ngana za mutu boye eza biloko wana c'est du na kozo Congo loko la propriété privée ya camp politique moko boye. Donc en tout cas eloko ya ko retenir na lisolo yo ezali ke non l'autorité de l'état doit être expérimentée et vie ba vivre yango pe ba expérimenter yango ke mutu na mutu place azali abongisa mutu na mutu place azali a mériter la méritocratie ezali mutu a mériter à ce moment là traçabilité et komona na ke non bao basala ka boye bazwaka 500 francs bao basala ka boye bazwaka 1000 francs c'est ça c'est dû na kozwa eloko ya l'état et comme privé nde eloko e comme sibiso na niveau wana merci nde non merci na bino pe bo lembate émission na bino chaîne na bino to landaka parce que boya kaka na actualité oyo peuple za kozela makambo a fonction publique ezota la bino ba journaliste biso tout ba enseignant ba nani tout le monde azana kati ba bongisela biso yango et ko sala biso et ko sala fierté amboka na biso côté maman ne ko to kitine le ko solo na population na likambe tali régularisation ya ba agent à fonction publique et ton agent à l'état ton yo ki sanga lo lenge wana isali yo ndengeni donc moni il faut kaka mutunyo so azala sima ya mibeko fo sima mutunyo so azala sima mibeko sango tango ye et sali biso bien so yo tali na fonction publique wana ba te belé ba zo za la wana ba misusu ba za ba fonctionnaire à l'état té ba koti bango wana na kokoti sa mwana ndeko mwana ya boye tout ça et puis moni mutu mususu ka yiba kata ko défendre et loko moko té me bakamatié ba tié côté kuna ba tondisi ba te belé côté kuna et puis soki ba tu ba zo belé bon est-ce que boko ko futa bango ko futa bango bien té sangue sali biso bien c'est ça. Na yango to moni maman Yolande Oza ministre ya fonction publique abeti sete na likambo tali ba doublon parfait pe imparfait mutu moko me oza na ministère ya hydrocarbure kaka yo oza na enseignement kaka yo oza na économie nini za la base ya ba dédoublement wana mama moni logo wana ndo moni lelo tout le monde azo ina Félix Tshisekedi lelo pona nini donc ta net likambo sous traitant so bazo lobela wana za ndenge moko na doublement ya ba fonction ponanin to lobby to tambola ki malamu te mutunyo so banda ko sala likambwana simaya est tel et puis soit fait ya pouvoir na soit fait d'argent batunyo so na bazaba batoyo babomi mboko yo c'est ça ponanin okoza na mutema munene ya yo mokozo konza ministère mibale baninga no mususu wana bakozo ndo moni batrelo bazolela lelo social mais soki mutema ko azozwa deux ministères, quatre ministères. Toi, yemoko aza directeur côté bo. Aza ceux qui nani côté kuna. Bon, on va toi na misusu. Bon, on y sonne côté épana. C'est quoi petit peuple one? Ako vivre ndengeni. Ako engager ban engage na ya tabaza ma elle était loko na ucholoba. C'est ça. Donc, za malamu te. Il faut notre citer maman Yolande na landiété, mais na yoki façon à défendre quand même. Aza moi simoko aza ma elle donc il faut gouvernement na biso et puis biso moko peuple congolais to soutenir chef de l'état na ba décision na ye to telemila batu oyo baza banguna ya peuple congolais bana nyonso bazo so ba diplôme d'état ba tuko sepela lobby ba kozwa misala wapi soki eza bongo
que yomoko ozozwa 4 fonctions 10 fonctions ozosala na 4 entreprises bana na bakozwa misala wapi c'est ça na mon opinion lingi koyeba marambo phénomène ya doublement ya doublon parfait pe imparfait ze lo ribandi le loto e bandakala e bandale lote e bandakala ezelo kwa kala batyon sona ba yango bazotamola na eloko na mitu na bango mais to sa sona mboka na Congo lobita le loto sana Congo ya lelo Boli misangane na zotanga trop Félix Tshisekedi po Félix Tshisekedi a une vision ya kubungisa Congo kolongo la bisika wana to ke na tana parlement to banda komona na parlement lobby ozomona député a komi sénateur a longwe na sénateur a komi ministre donc soka ke sénat azui si plein na ye moi si na ye afandi si wana a longwe kuna na sénat azali ministre a ke ministre azui mutu mususu a tie kuna eza ide ba utaki na ngoku na yango moni Félix Tshisekedi ayaki akasaki eloko wana avec mama Yolanda yebi bien que et le corona doublement wana ekokufa po ewutaki kala eza ndenge nini bazui libaya bache couleur basali bakaro siko yoza libaya babandi ko beta yoje tant okoloba nini libaya koloba te donc azwe bane le remote so ka muto na aganyo wana na aganyo yo na sali bole so ko tika dam acho dam babandi ko loba pio c'est ça eza ki ndenge wana mais le loto zana muto zo tele mila mboka si ko batu moni ke muto zo tele mila mboka za mala muto e foto bundisa ndo moni bazo bundisa e na ba million ba yibi wana ya moni bazo bundisa muto zana vision ya mala mpona pona mboka eza ni kanisa le loto eza li kanisa lobby na yango so ki koloba li loba moko na gouvernement li loba ne ozala ni bon ngana koloba na ba vienyo so wana ba sala lobby bazala na esprit malamu ya ko démissionner et si bazui mbongo ebele bango bayaki pona ba intérêt na bango bayaki pona intérêt ya peuple te bazui mbongo ebele et puis lobby bozoki nga bozoti lobby non botike la pe bano bazoya bazwa pe misala na bino et puis peuple na zoya bisa bino bisika bozozala boponaka batu biponela te ata bino bato bozala lobby ba chemino ke no yoza na machine tout ça bopot pesaka batu oyo bazaba incompétente opin bazaba ba soif d'argent te bopesa bango bisika bibonga te na palais du peuple wana te il faut bopesa batu oyo bakotelemela peuple lobby po peuple pe a petit peuple akende liboso c'est ça merci ndeko merci bonjour madame papa lelo tokiti ko solo na population na likambo etali régularisation ya ba agent ya fonction publique étant agent ya l'état tongo yokisangwa lolenge wana esali ndenge na sepela mo makasi pa ya ministre ya fonction publique mama Yolanda na félicité makasi pe na pese coup de chapeau musala zo sala izo kisiso ba peuple libanda kitoko makasi faut les suivre ezala parce que na régime oyo utiko kweya ezala ki biloko ezala penda nani désordre makasi yo moko za anja moko a bazo futa nani na fonction publique matrikule msusu boy na boy donc zo zo mbongo place 4 places au moment où place yon sala sala kati donc la maman Yolanda ya a une vérification tout c'est pas la makasi coup de chapeau mais to e bani ni za la base ya phénomène wa et lo ko izan la base phénomène parce que madame la journaliste suivi za la kité mon professeur suivi za la kité na régime oto ki ne suivi za la kité des autres exactement na makasi ou tu boyoyé yibi le col sikoyo ba clé nyon soana to deverou ya ngonyon soana ngo makambo kemen ngo bien Tomoni madame Yolanda Pesi Dele, ou batou ba s'enregistre. Ou zaloza na mécanisé ou pa bo s'enregistre. Ou aza mécanisé te ba olong. Bo yambi sa mwana nde. Ki ta bon makasi. Fou tou se mouti sa se rezé pou tou ba deja ke woy aza bouy ou za bouy. Donc na ou se prama makasi. Na lande ke lobi na Top Congo. Na sipe l'émission na na lande yangu ti nenge sili. Na pete le coup de chapeau. C'est bien. Na yango so oki ko loba li loba mo na gouvernement concernant li kamo na li loba nwe ko zalani. Le balanga yeza na gouvernement actuel. Vraiment, tu peux faire un coup de chapeau, tu peux toujours s'amener là. Nous avons soutenir le bango. Nous avons besoin de vérifier bien public et des biens publics à l'État. Tu peux faire un casse penza. Suivi, il faut que penza soit un peu pour que le sous-peuple soit retrouvé. Madame la journaliste, il y a une place, 4 places. Matrigue les Kemi et Kaibo, ils sont bons. Suivi, on est dans le régime de Fati. Coup de chapeau. Suivi toi c'est pas un peu ma casse coup de chapeau par madame la ministre maman Yolande et si vous allez te tomber le pinza mboula moussou soye baksamna ozenangona sans oublier Fati de Fati Béton.
Merci beaucoup. Ok, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, mademoiselle. Monsieur, aujourd'hui, nous sommes descendus pour échanger avec la population concernant la régularisation au niveau du ministère de la fonction publique. Étant agent de l'État, comment recevez-vous cette nouvelle? Oui, cette nouvelle, je la reçois froidement d'abord, parce que ce n'est pas la première fois que la ministre de la fonction publique fait ses déclarations. Il a toujours fait. J'ai entendu, comme tout le monde, cette déclaration et moi-même, je suis victime de tout ce qu'elle a dit. Madame a touché de points tels que les doublons parfaits et puis imparfaits, où nous voyons un agent qui est en même temps au ministère de l'Enseignement, en même temps au ministère de l'Hydrocarbure. Ces phénomènes, ça a débuté, ça date ou c'est un phénomène récent? En tout cas, ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui, c'est un phénomène qui date de longtemps. Et on espérait peut-être qu'avec la dame qui vient d'arriver, qui est venue au moment où tout le monde cherche des changements, on pensait qu'avec elle, elle peut mettre fin à ça. Mais dommage, nous remarquons que ce phénomène continue toujours et continue. Alors on ne sait pas à quand elle mettra fin à ce phénomène. Parce qu'il y a les morts qui sont repris sur la liste des agents de l'État. Alors est-ce qu'elle ne peut pas, de sa façon aussi, investiguer et voir comment mettre fin à ce phénomène? C'est un phénomène que nous décrions, ce n'est pas bien. Une personne ne doit pas doubler ou tripler les fonctions de l'État. Qu'est-ce qui est à la base de ces phénomènes? Ce qui est à la base de ces phénomènes, ce sont les Congolais qui cherchent à trop gagner, quoi. Verrez un inspecteur ou un agent payeur ou un ministre ou un je ne sais qui donne les noms de qui que ce soit, il multiplie un mort, on l'ira, il parle sur la liste. Ce qui est à la base, ce sont nous-mêmes les Congolais qui sont à la base de ce phénomène. Ça, c'est ce que moi je comprends. Si vous devriez vous adresser au gouvernement, quel serait votre mot? Je vais demander au gouvernement combien de temps faut-il pour qu'un fonctionnaire soit payé après avoir eu ses matricules. Parce que nous autres ici, nous avons eu les matricules depuis 2011. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des notifications, nous avons des affectations, nous avons des cartes biométriques de la fonction publique. Dommage, on n'arrive pas à être payé. Au contraire, nous voyons ceux qui ont eu des matricules après et qui sont payés. Ce qu'il y a à la base, on ne sait pas si c'est la politique ou c'est quoi, mais ce que moi je vais demander à la ministre de la fonction publique, c'est de faire le travail, de faire des sommets pour mettre fin à ce système. Merci beaucoup. Merci bien. Cette émission est complètement terminée. Vous étiez nombreux à entendre les avis des uns et des autres. Merci de votre réelle attention à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Badjo qui était derrière la caméra. Restez branchés à Congo Buzz Télévision. D'ici là, portez-vous bien.